بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La semaine dernière, nous avons commencé à parler du statut de la femme en islam. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce sujet, mais en nous intéressant beaucoup plus à l'aspect juridique. C'est-à-dire que nous allons rentrer aujourd'hui dans des détails qui font divergence au sein de la communauté musulmane. Pour certains, donner tous les droits à la femme ferait de vous un moderniste, quelqu'un de modéré, de progressiste, etc. L'inverse ferait bien entendu de vous quelqu'un de rétrograde. Où est vraiment la vérité? C'est ce que nous allons tenter, Inch'Allah, pas de rétablir, puisque je parle de vérité, mais au moins donner une idée assez précise de ce qu'est réellement l'islam dans le domaine juridique concernant la femme. Tout d'abord, docteur Bordouane, est-ce vraiment aux hommes de lutter pour les droits de la femme ou est-ce à la femme de se prendre en charge? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Évidemment, il n'y a pas de réponse absolue. C'est clair. Vous me direz que est-ce que l'homme, c'est à lui de se défendre en tout moment et en tout lieu pour ses droits, ça dépend de son âge. Vous avez le cercle familial qui le prend en charge à un bas âge et qui doit se démener pour lui obtenir ses droits, aussi bien de santé, d'alimentation, de vêtements, d'enseignement, etc., mais aussi les responsables du pays, qui doivent, par les lois et les institutions établies dans le pays, permettre à ces hommes, qu'ils soient enfants, qu'ils soient handicapés ou qu'ils soient d'autres catégories qui ne peuvent pas ramener leurs droits par eux-mêmes, d'établir des relais institutionnels qui donnent droit à ces catégories sociales qui ne peuvent pas par eux-mêmes obtenir leurs droits. Pour la femme, la même chose. La construction sociale voudrait que, évidemment, dans toutes les étapes de sa vie, elle n'ait pas besoin de s'exposer en première ligne pour exiger ses droits. L'homme aura pour honneur dans la société qu'il soit père, qu'il soit époux, qu'il soit frère, qu'il soit enfant, qu'il soit etc. Aura à cœur, évidemment, pour être un bon croyant, d'obtenir tous les droits nécessaires. Alors je donnerai cette tradition. Une femme arrivée à un âge avancé ne pouvait plus réaliser le pèlerinage par ses propres moyens physiques. Son fils, qui estimait que sa mère était d'un mauvais caractère, s'est dit « je vais me débarrasser de mes droits filiaux en transportant ma mère sur mon dos et lui réaliser le pèlerinage sans se fatiguer, et grâce à mes efforts physiques ». Et il est venu voir le prophète alayhissalam en lui disant « j'ai rétribué ma mère pour les souffrances qu'elle a pu connaître en me mettant au monde, en lui faisant le pèlerinage sur mes épaules ». Et le prophète avait répondu « mais tu ne lui as même pas payé une seule douleur de l'enfantement au moment où elle t'a mis au monde ». Donc, si vous voulez, la philosophie de la religion musulmane, la philosophie de la civilisation musulmane, c'est que l'homme est à cœur, quelle que soit sa position dans la société, à de répondre à ses demandes, et même avant qu'elles ne soient exprimées. Parce que certaines demandes, il faudrait qu'elles soient satisfaites avant qu'elles ne soient exprimées. Mais lorsqu'elles sont exprimées, ça devient un impératif. Et tout le monde connaît cette histoire qui est arrivée à une femme qui avait été agressée du temps de Omar ibn Khattab, de Mu'tasima, qui avait lancé un appel à un lieu très éloigné et qui avait appelé... Elle était à Byzance. Qui avait appelé le souverain musulman de l'époque
à défendre ses droits de femme, etc., elle avait dit, ouais, Mu'tasima. Et Mu'tasima n'a pas dit, moi, je n'ai que foutre d'un appel. Et nous voyons tous les jours aujourd'hui des appels de femmes qui sont réduites à la mendicité, ou réduites à avoir leurs enfants handicapés ou malades sans soins, ou réduites à dans des situations misérables, matérielles, etc. Or, la civilisation musulmane voudrait que. Voudrait qu'un homme ne puisse pas connaître cette situation. Omar ibn Khattab avait connu la situation d'une femme qui était d'un âge avancé, qui était toute seule dans sa demeure de l'époque, et il venait tous les jours chez elle pour traire sa chèvre, pour nettoyer sa masue, pour lui prodiguer ses efforts physiques, à tel point que certains esprits peut-être mal intentionnés avaient imaginé son absence pendant quelque temps dans la demeure d'une femme, pourtant qu'en pouvant être d'autres. Mais lorsqu'ils ont su pourquoi ils le faisaient, Ouais. à ce moment, ils ont compris que c'était d'un niveau moral bien éloigné de toute imagination basse de l'individu. Donc, les droits sont là, elle doit exiger aussi. Elle doit exiger, mais elle doit exiger, pas dans le, pas, elle doit pas exiger des droits ou l'accomplissement de ces droits dans deux situations qui sont différentes. Vous avez la première situation où malheureusement je le dis, certaines femmes exigeant des points de détail dans l'application juridique de leurs droits oublient des pans entiers de leurs obligations vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de proches, vis-à-vis de la société, etc. Donc, si vous voulez, elles sont de mauvaises avocates, parce que l'image qu'elles donnent à la société, c'est une société qui va se dire, voilà, quand bien même ces droits sont justes, en réalité, c'est pour arriver à une situation qui est en porte-à-faux totalement avec la morale islamique. Oui. Mais d'autre part aussi, l'idéal féminin, l'objectif de la justice sociale dans le monde, etc., est très différent d'une société à une autre. Hein. La Palestinienne aujourd'hui, elle veut être aussi honorée le 8 mars. Mais honorer la Palestinienne en 8 mars, on ne l'honore pas en tuant son mari, en emprisonnant son fils, en éloignant son deuxième fils de son pays. En mettant des murs de séparation entre ses enfants, les écoles, les lieux de travaux, etc. Donc vous voyez que honorer, donner justice à la femme, c'est aussi donner justice à l'homme qui fait que cette femme a une position dans la société, parce que son bonheur, dans notre vision, en tant que musulman, n'est pas un bonheur personnel, non partagé, comme on peut l'imaginer peut-être dans d'autres sociétés. D'accord. Comme une star qui vivrait à Hollywood, qui aurait tout le confort personnel. Notre bonheur en tant que musulman, c'est lorsque les nôtres, hommes ou femmes, partagent ce bonheur, qu'il soit matériellement faible ou qu'il soit matériellement très fort, etc. Or, la vision que veulent imposer certains, c'est une vision étroite des droits, une vision étroite de la justice, une vision étroite du bonheur et qui ne correspond pas à notre morale, qui ne correspond pas à notre philosophie ni Oui, à notre mais société. malheureusement, c'est bon. Moi aussi, je m'oppose à toute tentative d'émanciper la femme en l'occidentalisant. Ça, c'est parce que l'Occident, ça n'est pas du tout une norme. La femme, c'est un objet. Et pire que ça, c'est un objet purement sexuel. Ça, tout le monde le sait. On veut vous vendre une tablette. C'est une femme à moitié nue qui vous la présente. Vous allez maintenant, d'ailleurs maintenant, il y a une nouvelle mode. À chaque salon de l'automobile, C'est juste ça. après le salon de l'automobile, il y a le salon des hôtesses qui était, il y a plutôt un podium des C'est hôtesses ou juste. je ne sais quoi. Et c'est la plus dénudée qui emporte la palme. Mais pardon, Monsieur Boudmoun, mais ces femmes qui sont dans leur manière de voir les choses occidentalisées, entre guillemets. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont concouru à cela. Je faisais une fois, je présidais un acte matrimonial, acte shar'i, et à un moment donné, en parlant de la dot, il y a l'ouali en personne qui me dit,
Oh non, 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 nous on ne demande rien, il faut liquider. Je lui dis, mais comment ça, vous liquidez? Moi, Les marchands de mais marchandises. nous avons une loi qui fait que la femme est en droit d'exiger sa propre dot et qu'elle soit au moins convenable. Il m'a dit, mais non, il vaut mieux qu'elle soit terre à terre. Comme ça, au moins, si elle veut se libérer de l'homme en question, elle peut lui rendre. Avant, le type me dit, après l'acte, il me dit, tu sais, mon fils, avant, on te donnait juste une poule. Comme ça, le jour où elle est répudiée, elle peut rendre la poule et elle est libre de tout engagement. Mais je lui ai dit, mais si elle est répudiée par le mari, elle n'est pas censée rendre quoi que ce soit, sauf dans le cas où c'est elle-même qui décide d'un khola, c'est-à-dire d'une demande de divorce. Il me dit, ah non, 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 la coutume, c'est comme ça. Et le problème, c'est que dans ce petit patelin, il est clair que toutes les femmes se fient à cette logique. Donc on les a conditionnées C'est ainsi. ça. C'est Et ça. puis, quand vous avez ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de... J'adhère à ce que vous venez de dire. Mais le problème, où est-ce qu'il se situe? Nous avons alors dans la branche, quand je discute avec des femmes qui militent pour les droits des femmes dans certaines associations algériennes, elles me disent, attention, nous ne sommes pas des féministes. Parce que le mot féminisme est vraiment mal pris autant en Occident qu'ici. Hein. Les féministes, on sait ce que Devenu c'est. péjoratif. Ça a un sens beaucoup péjoratif. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'associations ici, je citerai par exemple le réseau Wesila, qui est très très connu. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans ce réseau qui sont bonnes et bénéfiques pour l'Algérie, quoi que l'on dise de certaines personnalités. Le problème est là, parce que ce que vous venez de dire répond parfaitement à la logique et à la morale musulmane. Mais de l'autre côté, quand vous avez par exemple un certain Abu Shouqa qui écrit Tahrir al-Mar'a al-Muslima fi Asr al-Nubuwa, un livre super argumenté en 6 volumes qui démontre que la femme du temps du prophète sortait, elle travaillait, elle s'instruisait, elle participait à tous les efforts de la société. Et qu'un autre vienne lui répondre par un titre, par un autre pseudo-livre, où il est dit Wa karnafi buyutikon, restez dans vos demeures. Ce que vous venez de dire, il se pourrait qu'il vienne à, je ne sais pas moi, un quart de savant, c'est même pas un demi-savant, qui vous dise Qala ta'ala, qala Rasulullah, et qu'il interprète le verset comme il le veut. En parlant de celui, le livre, vous pouvez même le télécharger sur Internet, il s'intitule en langue arabe Waqarnafi Buyutikun. L'auteur, qu'est-ce qu'il dit? Il donne un certain nombre d'avis religieux. Qala Fulan, Qala Fulan, Qala Fulan. Il donne même pas de hadith, il donne des versets qu'il interprète comme il veut. Concernant parce que Ce verset. ce verset concerne les femmes du prophète uniquement. Oui, c'est clair. Quand vous leur demandez quelque chose, faites-le derrière un paravent, etc. Les femmes du prophète, après le verset du choix, ont été soumises à un statut très très particulier. Elles n'avaient pas le droit de se Se remarier remarier, avec. bien sûr. Elles étaient mères de croyants. Elles n'avaient pas le droit de sortir de chez elles, sauf Oudina lakunna an takhrujna li ba'di hajatikun. Pèlerinage pour le pèlerinage pour À l'inverse, nous avons une multitude de hadiths. Des femmes venaient dans les rues de Médine prendre le prophète par la main pour qu'il aille leur régler leurs Il y affaires. a une tradition dans Alors ce là, sens. le problème avec ces pseudo-rigoristes, ils sont même pas rigoristes. On ne sait pas ce qui. Ces gens-là vous disent non, l'imam, c'était des petites filles. Comment une petite fille en bas âge viendrait-elle voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui régler un litige dans le marché de Médine? C'est incompréhensible. Et ce même monsieur qui a écrit Wa qarnafi buyutikun pour essayer de jeter le discrédit sur Abu Shouqa donne, entre autres arguments, Hurun maqsuratun fil khiyam. Ça veut dire que il dit, regardez, même dans ce verset qui parle du paradis, les houris, les houriettes, se trouvent dans des tentes, elles ne sortent pas. Et là, quand je lisais l'argumentaire, j'avais un ami qui était à côté de moi, il me dit, eh bien, ce bonhomme, tout aussi rigoriste qu'il est, il vient de nous ouvrir une porte. Mais incroyable, je lui dis, à quoi cela te fait-il penser? Il me dit, puisqu'il prend un verset se rapportant au paradis
pour argent comptant, quant à argumenter un statut juridique ici sur terre, eh ben qu'il sache qu'il y a un autre verset qui dit « Wa khamratin laddatin li sharibin » en parlant du paradis. Alors maintenant, s'il prend ce verset pour argument, comme argument pour interdire à la femme de on va rendre illicite la il va rendre licite la consommation du vin. Et c'est ça. C'est ça la bêtise de certains pseudo-savants musulmans qui n'ont aucun sens dans le domaine de usul al-fiqh. Ils ne connaissent pas l'arabe, ils ont fait une école qu'on connaît et qui est al-dahir pratiquement. En tous les cas... Le problème est là, parce que les femmes, toutes ces femmes que nous accusons d'être des suppôts du diable, d'être des éclaireurs de l'Occident... Et il n'en demeure pas moins que beaucoup d'entre elles ont écouté des représentants de l'islam dire du haut de leur chair « Rahim Allahu zamanan »« Lam takuni al-mar'atu takhruju fihi illa marratayni fil » La femme ne sortait que deux fois de chez elle le jour de son mariage pour aller chez son nouveau... Chez son mari. Et le jour de son enterrement. Il y a des gens qui l'ont dit. En tous les cas, c'est quand même pour revenir. Ces gens-là... Il faut une réponse juridique. Oui, ces gens-là ont toujours existé et existeront toujours. J'ai cité la semaine passée le livre de Mohamed Ghazali, rahimahullah, Sunna bayna ahl al-fiqh wa al-hadith. Lorsqu'il a écrit ce livre, il y avait eu, je pense, presque une dizaine de livres qui ont été écrits en réponse au livre de Mohamed Ghazali par des rigoristes. Le problème, c'est que personne... Attendez, on n'a pas répondu à ce qu'a dit Mohamed Ghazali, on a fustigé Mohamed Ghazali. C'est ça, justement, le problème. Simplement. C'est ça, ces livres-là, c'est autant des insultes et des... Que des arguments valables, parce que ce soit Mohamed Ghazali ou Abou Shoukha, ils apportent des arguments imparables. Chez Abou Shoukha, dans les 6 volumes, vous allez trouver quelque chose traduit en français. 250 hadiths chez Al-Bukhari et Muslim. Authentique, en plus de cela, une multitude d'interprétations. Maintenant, quand, par exemple... قال فلان وقال الطبري وقال الزمخشري وقال كذا وقال on vous cite par exemple 20 exégètes qui diront oui ces versets étaient destinés aux femmes du prophète mais comme nous avons une règle l'ibratu bi'umumi lafdhi la bikhususi sabab c'est-à-dire que l'on puise l'enseignement du sens général du verset et non des causes de sa révélation, par exemple, ou des spécificités inhérentes à ce verset. Et à partir de là, beaucoup vous diront, voilà, nos savants le disent bien. C'est vrai que ce sont des versets qui sont en rapport avec les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ces versets doivent englober toutes les femmes. Avoir une portée générale. Mais le problème, c'est que ces versets sont tellement spécifiques, et nous avons Khususiyat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il entrait chez certaines femmes de Médine, il s'isolait avec certaines femmes de Médine. Il n'y a pas de contradiction, de contradiction en islam. Nous avons cité la semaine passée beaucoup d'exemples de la fameuse Shifa à qui Omar Khattab avait confié la fonction de juge ou de Muhtasiba. Nous avons cité plusieurs, le cas de l'imam Shafi'i qui avait étudié sur la direction de la Sida Nafisa, etc. Nous avons une légion d'exemples. Je vais vous donner mieux que ça. Il n'y a pas de contradiction. Écoutez, pour vous montrer que les femmes participaient à tout, vous avez l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, al-Hafid, et al-Hafid al-Dahabi qui disent qu'alors qu'il a été démontré que beaucoup d'hommes ont falsifié des hadiths, ont apposé des faux hadiths, ont fait du faux dans le domaine du hadith, il n'a jamais été démontré qu'une femme l'ait fait parmi celles connues. Et si vous lisez Shadarat Dahab par exemple, Shadarat Dahab,
fi akhbari min dahab, vous allez vous rendre, vous allez trouver une multitude de femmes théologiennes qui ont atteint des degrés inimaginables. C'est comment il s'appelle, Hanbalit Ibn Taymiyyah. Non, Ibn Taymiyyah, sa grand-mère était savante. Oui, aussi. Non, je parle du livre Shajarat al-Dahab, il a été écrit par un auteur Hanbalit. Oui. Très assez ferme, on peut pas l'accuser de rigueur. Mais tout à fait, mais qui cite beaucoup d'exemples de femmes qui ont transmis des traditions, qui ont fait fonction de d'enseignante à de grands savants musulmans. Si vous permettez, c'est quand même juste une petite moi je voudrais mettre un peu l'accent sur l'hypocrisie de l'Occident. L'hypocrisie de l'Occident qui, tout en fustigeant l'islam pour soi-disant brimer la femme et ne pas lui reconnaître ses droits. Je peux citer un exemple où cette hypocrisie de l'Occident est manifeste. C'est l'exemple de la polygamie, par exemple. Oui. On accuse, vous savez tous, que parmi les points sur lesquels l'islam est beaucoup attaqué, c'est celui de la polygamie. Pourquoi l'islam, le Coran... Autorise-t-il l'homme à avoir quatre... Mais lorsqu'on voit ce qui se passe en Occident... Mais c'est de quoi, certains hommes célèbres. Moi, lorsque j'entends tel ancien président avait une deuxième femme cachée, vous savez, la pauvre, elle a vécu cachée pendant toute sa vie. Il a fallu qu'il meure pour qu'elle se manifeste aux gens. Mais c'est terrible. Ouais. Lorsque j'entends, lorsqu'on voit un ancien ministre français. Qui était appelé à être le futur président de la France, qui a défrayé la chronique, qui s'est suicidé politiquement à cause de son comportement avec des femmes. Dernièrement, ça fait une semaine, un grand acteur français qui avait aussi un fils caché qui ne voulait pas faire connaître aux gens, et etc., etc. Moi, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie? Et là, je cite Gustave Le Bon, qui dit à la fin, qui dit dans son livre, moi, je préfère la polygamie légale des musulmans à la polygamie hypocrite des occidentaux. Parce que, on le voit chaque jour, hein, quel est l'Européen qui n'a pas une ou deux ou trois maîtresses? Moi, je défie quiconque de me dire quel est le... Ils sont très rares. Ils sont très rares. Alors, pourquoi accuser l'islam? Parce que l'islam, il n'y a pas d'hypocrisie. L'islam est clair et la polygamie, elle est réglée. Il y a un règlement, il y a des lois strictes qu'il faudrait respecter. Sinon, le Coran dit, il aime dire le fa wahida. Alors c'est là, je voudrais revenir. Oui, juste quelque chose, allez-y. Kamel, c'est que aussi, nous, les musulmans, parfois, on mène des batailles pour un petit verre d'eau. Oui, bon, enfin, c'est le combat de Don Quichotte. On fait une grande bataille autour de ça. Vous savez que les situations, parfois, évoluent dans le temps, évoluent dans l'espace. Et puis, la position de certaines femmes fait que, oui, parce que la position des femmes du prophète, sallam, dans la société, elles n'étaient pas considérées comme n'importe quelle femme. Oui. Bien sûr, elles avaient un rôle imminent d'être pratiquement les transmetteuses du message prophétique de ce qui se passait à l'intérieur de chez elles. Le réceptacle. Et elles étaient le réceptacle et elles devaient transmettre par la suite pour des générations de musulmans le comportement du prophète chez lui. Elles étaient les seuls témoins de cette intimité, etc. Et puis, elles devaient être respectées, honorées dans la société, etc. Il en est de même, bon, à des niveaux bien moindres, etc. Dans la société, vous avez des femmes qui jouent un rôle. Il est évident qu'on ne va pas jeter à la rue, pour répondre à ceux qui disent qu'on ne va pas jeter à la rue, un certain nombre de femmes qui ont des rôles imminents dans la société, soit par leur âge, soit par leur savoir, etc. Et c'est pour ça que personne ne s'offusque à ce que la société mette autour d'elle des relais, qui leur rendent la tâche facile et de manière à ce qu'elles se retirent uniquement pour remplir leur tâche, soit d'enseignante, soit de etc. Et
personne ne s'en offusque. On vient attaquer l'islam en disant oui, mais pourquoi dans certaines situations, il n'accepte pas de jeter la femme dehors dans tous les milieux, en tout moment, en tout lieu, etc. Non, il y a des lignes de bonne conduite qui doivent être respectées. Malheureusement, dans certaines sociétés, j'étais interrogé très récemment par une journaliste d'une télévision en me disant « Mais pourquoi, il y a 50 ans, lorsqu'une femme montait dans un bus à Alger, tous les hommes se sentaient obligés, encore surtout les plus jeunes, se sentaient obligés de la respecter instinctivement se lever, oui. Et se lever pour lui laisser... La... Alors que maintenant, plus personne ne fait attention, personne ne s'offusque, on peut la laisser debout pendant une heure ou deux heures. Et puis si vous dites aux jeunes « Pourquoi tu t'es pas levé à une... pour une dame d'un certain âge, je vais vous dire, elle n'avait qu'à rester. » Donc là, on ne s'offusque pas de ça. Donc même en demandant ses droits, il faut savoir les demander dans des limites acceptées et acceptables oui. par la société. Parce qu'il y a des réactions. Non, mais par exemple, le problème est dans notre société est que cet islam est toujours partagé entre modernisme à outrance et rigorisme à outrance. Et puis, à la limite, par moment même, quand vous dites « moi, je me réclame d'un juste milieu », on vous taxe, hein, que vous le vouliez ou non. Souvenez-vous d'une une conférence au Haut Conseil islamique où j'ai parlé de la conceptualisation de l'islam ou bien l'islam à l'ère de la mondialisation. Mmh. Il y avait mon maître à côté de moi, Cheikh Tahar Mohamed Chérif Gaher. Gaher, oui. Je suis allé le voir la veille même de cette conférence, lui disant, voilà, nous avons étudié auprès de vous que le qada, c'était pour les hommes. La fonction de juge était destinée exclusivement à l'homme. Que la magistrature suprême ne pouvait accéder à cette fonction qu'une femme. Mais le problème, c'est qu'après mûre réflexion, et c'est des années de recherche, je me rends compte que il m'a dit oui, c'est vrai, c'est un avis consensuel qui émane d'un effort de réflexion, parce que tout plaide pour cet avis. Et c'est vrai, le problème c'est que même scientifiquement parlant, je peux donner une multitude d'arguments plaidant pour cet avis. Sauf que Dieu a fait qu'il y ait des exceptions. Margaret Thatcher, Indira Gandhi, après son père, elle a su quand même maintenir l'Inde parce que l'Inde, c'est un pays qui a appelé peut-être à s'éclater moment. Israël, là, il faut le dire. Israël, la Palestine occupée. Pseudo-État d'Israël. L'entité israélienne qui avait défié des présidents arabes. Non, mais attendez, laissez-moi juste poursuivre. Parce que non, actuellement, beaucoup de gens ne veulent même pas se donner la peine d'aller chercher la vérité. Oui. Et en nous recevant des mails, par moments, on nous taxe je ne sais pas moi, moderniste, vous êtes contre l'islam, vous êtes contre ceci et contre cela. Donc, le problème, c'est que je me souviens, je l'ai bien dit, j'ai dit, je peux donner une multitude d'arguments avérés scientifiquement, démontrant que la femme, par rapport à l'homme, est inapte à la fonction de président. Mais le problème, c'est que je suis... Si je me considère comme dépositaire d'une science, pour être honnête, par honnêteté intellectuelle, je suis dans l'obligation de restituer la vérité telle qu'elle m'a été transmise. Donc ça, c'est un avis émanant d'un effort de réflexion. Beaucoup s'en offusquent en disant « Tiens, c'est un moderniste, il veut changer l'islam. » Non, mais le problème, c'est Kamel. Oui. Le problème, c'est un avis consensuel. Mais un avis consensuel qui a été émis sur un statut particulier de magistrature suprême qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Oui. Puisque un président aujourd'hui, quel que soit l'état dans lequel
Il n'a plus les pouvoirs qu'il avait. Il n'a plus le pouvoir d'un souverain, il y a un siècle ou deux siècles, etc. Oui, tout à fait. Et ces prérogatives sont limitées par une multitude de constitutions, de lois. C'est dirigé parlementaire, la plupart. C'est dirigé parlementaire. Même les rois sont suzerains. Non, ils ne sont même pas souverains. Est-ce que la reine Elisabeth. Non. Elle règne, mais elle ne gouverne pas. Elle n'a même pas le droit de pénétrer l'enceinte du Parlement. Oui. Même le président du pays le plus puissant au monde, on peut le destituer par impeachment. Oui. Si on estime qu'il a failli dans certains trucs. Or, vous auriez pu... Ça a failli arriver avec Clinton, hein. Ouais. Donc, vous voyez que lorsqu'on doit émettre des avis juridiques sur une situation qui porte un nom qui peut-être est commun avec ce qui se passait il y a 4 siècles, 10 siècles, 15 siècles, 20 siècles, etc. Il faut tout recadrer. Ouais. La situation est totalement différente. C'est pour ça que nos maîtres... Oui. Peut-être pour détendre un peu l'atmosphère. Dans une situation qui a eu lieu dans une ville d'Algérie où quelqu'un avait décidé, sous le coup de la colère, de divorcer sa femme. Il a divorcé plusieurs fois en une seule séance. Il est allé voir un de nos maîtres. Ça ne fait qu'une seule fois. Il est allé voir un de nos maîtres, il lui a dit un quart d'heure après. Hein, il s'était calmé, il avait vu ce qu'il avait fait comme dégât dans sa demeure et dans son foyer. Il est allé voir le maître, il lui a dit voilà, je l'ai divorcé plusieurs fois et on m'a donné cet avis juridique qui dit que lorsqu'on la divorce trois fois et plus, il faudrait qu'éventuellement l'épouse quelqu'un d'autre pour que je puisse après divorce de ce deuxième époux. Au cas où je pourrais la reprendre. Notre maître lui a dit, maintenant, il lui a dit, mais il n'y a pas de problème pour toi, tu peux la reprendre tout de suite. Je lui ai dit, mais comment? Il a dit, l'avis juridique a été émis pour les hommes et toi, tu n'en es pas un. Quelqu'un qui revient sur ses avis un quart d'heure après. Comment veux-tu prétendre être un homme? D'accord. Oui. Homme doit garder son sang-froid et juger de la positivité, de la négativité. Donc on va juger sur la magistrature suprême sur des situations qui sont totalement différentes. Oui. Vous savez, dans beaucoup de pays, l'Italie entre autres, le roi d'Espagne, beaucoup de pays, que vous dites, le président, le roi n'est là que... Et encore, hein. La Belgique, etc. Vous avez vu, même le pape aujourd'hui n'est plus ce qu'il était il y a quelques décennies. Il a été obligé de démissionner et dire à la fin de février, je me retire. Non, mais attendez, ce que je veux... Non, je voudrais attirer l'attention sur un point très précis. Quand vous dites que ça, c'est un avis, ra'yun ijtihadi, c'est un effort de réflexion. Alors les gens ne se gênent pas de vous fustiger, de vous traiter de tous les noms. Quoique, je parle pour ma personne et je l'ai toujours fait depuis 15 ans. Si, quand je le dis même à la radio, quand ce que je dis ne plaît pas à quelqu'un, il n'a qu'à le demander, je le fais venir ici ou à la radio. Et il défendra ses avis et je le ferai également sans armes, sans haine et sans violence. Sauf que nos détracteurs ne le font jamais parce qu'ils connaissent leurs limites. L'autre problème, c'est que vous avez parlé la semaine dernière d'un principe juridique, d'un principe de jurisprudence chez les Malikites, Seddoud Dara'i'. Oui. Alors, Seddoud Dara'i'i n'est pas reconnu par l'école Hanbalite. Il n'a jamais été. Non, Seddoud Dara'i'i, non. Actuellement, beaucoup de gens viennent me dire, parce que j'ai exercé la fonction d'imam, voilà, j'ai fait une fatha avec ma future épouse, mais on n'a pas encore célébré nos noces. Le mariage, donc, n'est pas encore consommé. Est-ce que je peux m'isoler avec elle? Ce que je dis que du fait que tu aies fait procéder à un acte matrimonial, acte shar'i, ça te donne le droit de t'isoler avec elle. Sauf que je préférerais que cela se fasse soit chez elle, soit chez toi, en présence des parents. Oui. Bon, enfin, vous êtes peut-être dans une chambre et les parents sont à proximité, plutôt que de t'isoler à l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous avons un avis chez les Malikites, min babi saddid dara'i', on dit que de par ce principe, pour parer à toute dérive, il est interdit, strictement interdit, de s'isoler avec la femme avec laquelle on a contracté le mariage sans pour autant l'avoir consommée. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout est permis et on peut aller jusqu'au bout, entre guillemets. Donc, beaucoup de pseudo-hambalites actuels me disent
Mais non, il y a un acte matrimonial. Et puis, on ne sait par quel procédé, ou à moins que l'on ait affaire à des schizophrènes, vous prenez le cas, par exemple, d'un pays comme l'Arabie Saoudite, min babi saddi dara'i, on a décrété haram, péché, pas interdit, haram à la femme de conduire un véhicule. Véhicule. Alors, honnêtement, ramenez-moi tous les savants du monde. Avec tout le peu de savoir que j'ai, je demande une confrontation. Munadara, expliquez-moi par quel procédé avez-vous Sur quelle pu base vous... arriver à cette conclusion, juridiquement parlant, en mettant sur la table toutes les écoles juridiques possibles et imaginables, même si vous me donnez un avis ou je sais pas moi, une logique émanant des Ahmadites ou des chiites ou des je ne sais quoi. Ben, je l'accepte. Et même si vous Alors, permettez d'entrer. pardon, des gens, l'imam Malik disait, en parlant des grands savants qui l'avaient précédé, nous n'avons pas connu parmi eux quelqu'un qui aurait pu dire, Hada haram ou hada halal, ceci est licite, ceci ne l'est pas. Mais ils disaient tous, Nuhibbu hada, on Oui. préfère ça. Je n'aime pas ça, plutôt Voilà. que de dire halal et haram, Oui. parce qu'ils avaient peur de le Oui. dire. Et Cette actuellement, pardon, actuellement, quand vous proposez un travail ou un débat sur un point, vous êtes taxé d'innovateur, Soit, ouais. et certains viennent décréter illicite ce que Dieu n'a pas décrété illicite, donc ils sont en train de légiférer à la place de Dieu. Et le problème, c'est que la majorité de nos musulmans semblent beaucoup plus allés vers alors qu'Ibn Taymiyyah disait l'aslu fi d-din l'amal ou la tark, nos musulmans actuels vont beaucoup plus vers tark, il vaut mieux laisser parce que la yajuz plutôt que d'autoriser et de se retrouver dans Cette interdiction de conduire cette fatwa, bon, elle ne fait pas l'unanimité entre les savants. Il y a beaucoup de savants, Il y a quelques années, qui la récuse, oui, qui certains la l'ont récuse, oui. récusé, ils ont Voilà. été pratiquement mis en Non, non, prison. mais Attention. non, mais ça prouve qu'elle ne fait pas consensus, qu'il y a quand même des gens, des savants qui la récusent. Deuxièmement, en Arabie Saoudite, justement puisqu'on parle de ce pays-là, il y a une semaine, je pense seulement, que des femmes ont pu entrer à ce qu'on appelle le Majlis al-Shouri. Oui. Maintenant, il y a une vingtaine de femmes qui font partie Une de assemblée, c'est une l'Assemblée assemblée saoudienne. consultative, oui. Voilà. Alors que je disais dans l'émission précédente que la situation de la femme musulmane a régressé beaucoup. Vous savez, lorsque Ibn Affan, je pense, lorsque Ibn Affan, plutôt, lorsque Omar Khattab a été assassiné, radiallahu anhu. Donc il fallait choisir un calife. Et Abdurrahman ibn Auf, qui pour trancher entre Othman et Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans toute Médine Oui. consulter les habitants de Médine. Et Ibn Kathir, que j'étais en train de lire un de ses ouvrages il n'y a pas si longtemps, il a consulté même les vierges. Les Dans l'abkar, c'est-à-dire les plus jeunes. Dans leur maison, pour leur demander qui elles choisissaient. Donc vous voyez, déjà à l'époque, des compagnons, la Shura était. Et maintenant, c'est maintenant au 21e siècle que la femme peut entrer au conseil consultatif pour participer aux À affaires. l'effort national, on Donc, va dire. vous voyez cette régression, C'est ça, c'est terrible. le problème est que, de par ce comportement, nous sommes d'une part en train de donner, de mettre de l'eau dans le moulin de nos détracteurs, et puis ça a développé chez nous une force, on va dire une force vive dans toute la nation musulmane. À chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec des femmes qui œuvrent dans les mouvements associatifs, je leur démontre ce qu'est l'islam et je leur dis, de toute manière, c'est de votre faute. Si vous ne connaissez pas cette religion, c'est de votre faute. Et puis, honnêtement,
même quand une femme a raison. Moi, je suis, comme le disait... Parce que lorsqu'elle connaît, elle se défend beaucoup mieux. Oui. Et je vais répondre justement par un exemple qui vient d'arriver très récemment dans ton quartier à Alger, où j'avais officié à un acte matrimonial entre deux jeunes. Nous sommes dans la phase d'attente des festivités du mariage, mais qui n'ont pas encore eu lieu. La jeune fille avait une notion exacte de ce qui était permis à son futur mari pendant cette période et elle se refusait à son futur mari jusqu'à aller demander la séparation totale. D'accord. Parce qu'il avait exigé d'elle, en catimini, pratiquement en secret, des choses qui ne se font qu'entre époux une fois le mariage civil. Ça dépassait, etc. J'ai apprécié que maintenant, évidemment, nos filles, les femmes dans la société, de manière globale, grâce au relais de formation, d'information, etc., sont beaucoup plus. Parce que si le rythme à l'équipe a été vigilant, c'est parce que parfois certains prennent des tranches dans la jurisprudence et ne voient pas l'ensemble du fait. En cas de séparation entre les deux époux, la qadar Allah. On a été déjà confronté à ce type de problème. En cas de séparation, les choses ne sont pas identiques si le mariage a été consommé ou pas. Il est arrivé même, qu'alors qu'ils étaient, parce que là, ne l'oublions pas, dans notre société, il y a toujours deux dimensions qui se chevauchent. Ouais. Alors, d'une part, on fait une fatha, donc on célèbre un mariage. Mais si vous, dans l'assemblée, vous dites par exemple, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On vous dit, c'est les fiançailles d'un tel et d'un tel. Alors, c'est... Le problème, c'est que je me souviens, on a eu ça au moins une dizaine de fois dans les 15 dernières années. On fait appel à nous dans des cas où le mari décède, la femme est enceinte, alors qu'ils ont juste tout simplement fait une fatha. Bon, nous, on commence à... Il faut apaiser les choses, parce que c'est des guerres qui peuvent prendre lieu. Et le problème, c'est qu'on se retrouve vraiment dans des situations très difficiles. Parce que quand bien même on expliquerait aux gens, on ramènerait les témoins, voilà, un tel et un tel sont témoins de cet acte, de cette union, etc., il restera toujours gravé dans l'esprit des gens que cette femme est une femme facile, de mauvaise vie et je ne sais quoi. C'est vrai que la femme doit prendre ses responsabilités, tout autant que l'homme. Oui. Mais le problème, c'est que nous sommes arrivés à un point où il plaît beaucoup plus aux gens de faire dans l'extrême, dans l'extrémisme, que d'aller vers le juste milieu. En parlant des femmes que l'on nous présente ou que certains présenteraient comme des féministes et à qui il déplaît justement qu'on les affuble de cette appellation, moi honnêtement, même quand une femme a raison, si derrière ce droit se cache dans mon esprit une force occulte venant de l'Occident, par instinct, je vais combattre la chose. C'est vrai, tu as raison, mais bon, je ne te donnerai pas droit parce qu'il y a aussi une manière de demander ces droits. Tout d'abord, alors là aussi, que devrait-on accorder comme importance à ces deux notions, culture et nature, dans ce domaine justement du combat des femmes? Il faut effectivement aussi bien l'homme, mais surtout la femme, qui demande la position qui est la sienne en tout lieu, en tout moment, dans la famille, dans la société, etc. Il faut qu'elle fasse la différence. Il faudrait qu'elle sache en tout moment ce qui exige sa nature, ce qui est capable de réaliser sa nature de manière globale. Je ne parle pas de cas où chède ou qu'assoir. Les cas exceptionnels ne doivent pas être pris en charge. C'est vrai qu'il y a des tempéraments très particuliers parfois, mais qui ne doivent pas être trompeurs, etc. Vous avez une majorité, donc il faut être conscient de sa nature, de ce qu'on peut assumer. Alors, on parlait tout à l'heure de la magistrature suprême. J'ai souvent été offusqué par le fait d'investir parfois l'homme comme la femme d'un pouvoir qui est au-dessus de ses capacités mentales et même physiques. Par exemple, donner la grâce ou la refuser. Oui. Vous savez, parfois, on a cité tout à l'heure, même indirectement, le président français Mitterrand,
certaines décisions qu'il avait prises 40 ans, 50 ans pendant la guerre de libération, en refusant des grâces, il les a traînées comme des boulets dans sa conscience jusqu'à sa mort. Oui. Donc il faudrait revenir à la nature pour voir ce que peut accepter, ce que peut supporter comme poids de responsabilité et de droit, même de droit. On peut exiger, par exemple, de connaître le moment de, son départ d'ici-bas, donc de sa mort, mais dans son immense clémence, Dieu l'a laissé caché, parce que la nature humaine est incapable d'assumer le poids de cette connaissance, même si c'est après 40 ou 50 ans, 60 ans, oui, ou un siècle, etc. Et beaucoup d'autres choses qui nous sont cachées, en réalité elles nous sont cachées par la clémence divine, parce que nous sommes incapables de pouvoir, et le meilleur exemple est dans le Coran, lorsque Sidna Moussa alayhi salam a souhaité avoir la possibilité éventuellement d'arriver au Créateur, la clémence divine, par son enseignement, lui a donné l'exemple de cette montagne de toi qui était incapable, même en partie, d'assumer cette vision du Créateur. Et par conséquent, il s'est évanoui à la vue de cette montagne qui s'écrasait devant la... La nature, par conséquent, doit être connue dans sa dimension. Or, la nature, la notion dont nous avons, la conception dont nous avons, est transmise par la culture. Oui. Certaines cultures sont, si vous voulez, positives. L'islam est venu pour libérer l'homme de la tyrannie de l'homme. Rappelons cette phrase qui avait été laissée par un compagnon du prophète lorsqu'ils arrivent devant le souverain de Perse, qui était estimé comme étant le souverain des souverains, Shahinshah, le souverain des souverains, qui lui a dit « Nous sommes le représentant d'une religion qui est venue nous libérer de la tyrannie des hommes pour nous élever à la servitude de Dieu et de l'étroitesse de la terre, à l'immensité des cieux et de la terre, etc. » Donc, il y a une culture pareille qui vous libère, et puis vous avez des cultures qui vous réduisent, qui vous donne des mentalités d'esclaves. Rappelez-vous, les fils d'Israël, les Hébreux, en sortant de siècles de servitude sous les pharaons en Égypte, en arrivant en tant qu'êtres libérés sur la terre de Palestine, qui leur avait été donnée par le souverain des mondes, Allah, et malgré ça, ils exigeaient des choses qui, oui, pensaient être des droits, mais des droits d'esclaves. Entre autres, avoir un dieu matérialisé devant eux pour pouvoir le servir. Ils ont été punis par 40 ans d'errance dans le désert, parce qu'il faut 40 ans pour changer la mentalité d'un peuple, donc toute une génération doit disparaître, etc. Donc, il faut savoir que la culture, soit elle vous libère, soit elle vous élève, soit elle vous détruit et elle vous rabaisse. Donc, il faut savoir quelle est l'origine de cette culture pour savoir ce qu'il y a comme idées qui sont véhiculées derrière cette culture. Non, est-ce qu'elle est libératrice ou au contraire, si vous permettez, il ne nous reste que deux minutes, oui, parce que la culture, parce que on a prétendu que par l'effet de socialisation, on pouvait faire de n'importe quelle femme un homme à part entière, juste par la culture, en l'éduquant sur certaines choses, en lui donnant accès à certaines tâches. Alors que c'est faux, qu'on le veuille ou non. C'est le troisième sexe, sexe de, comment elle s'appelle, la fameuse... Non, c'est deuxième sexe. Deuxième sexe plutôt, De Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Et le problème, c'est que, oui, elle est comme Bébelle, comme beaucoup de ceux... Vous savez, en parlant de féminisme musulman, justement, enfin, un féminisme entre guillemets... Il ne nous reste qu'une minute. Il y a un mouvement au Maroc, un mouvement extraordinaire qui est mené par certaines femmes, femmes musulmanes convaincues et qui veulent reprendre leurs droits de musulmanes. Ce mouvement est dirigé notamment par la fille de Abdeslam Yassine Rahimallah, qui est morte dernièrement, Nadia Yassine, et par Esmal Amrabat, de deux intellectuels. Nous espérons, Inch'Allah, que même chez nous, les associations féministes, entre guillemets, bien sûr, commencent à faire ce travail de récupération de leurs droits dans le cadre
bien sûr, de ce que l'islam leur a accordé comme droit en tant que femme. Très bien. Ceci donc, cher ami, marque la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et d'ici la semaine prochaine, nous vous disons نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, messieurs.